السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. En fait, il y a pas assez de place. Si vous pouvez, s'il vous plaît, vous lever et qu'on essaye d'avancer pour gagner un peu d'espace. Au niveau du parking, pas ici. Au niveau du parking. Qui arrive. Barakallahu fikum. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له سيدنا محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم أما بعد إخواني أخواتي الأحبة مشايخ فخير السير يقول سبحانه وتعالى في سورة الرعد ومن أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون الله سبحانه وتعالى nous dit et c'est un des signes d'Allah que d'avoir créé de vous et pour vous des épouses ou des époux afin que vous trouviez votre quiétude auprès d'elles ou auprès d'eux et d'avoir suscité entre vous et elles et d'avoir suscité entre vous amour et miséricorde en vérité il y a en cela
des signes certains pour ceux qui raisonnent. عباد الله هذه الآية تؤصل العلاقة الزوجية بين الزوجين. فالزواج في الإسلام هو عقد بين الرجل والمرأة. ولكن ليس كأي عقد، فقد سماه الله الميثاق الغليظ. لماذا؟ لأنه عقد يؤسس بيتا يولد ويربى فيه الأولاد. Méditons ce magnifique verset qui fonde la relation entre les époux. En islam, le mariage est un contrat entre l'homme et la femme, mais pas n'importe quel contrat. Allah subhanahu wa ta'ala l'a appelé al-mithaq al-ghalib, le pacte solide, car c'est une union pour fonder un foyer où seront élevés des enfants. Mes frères et sœurs, il ne se passe pas une semaine sans que je reçoive des appels de couples en crise, presque en divorce, que j'ai pensé nécessaire de faire cette khutba pour nous rappeler à nous tous les fondements du mariage. يقول سبحانه وتعالى لتسكنوا إليها البيت الذي ينشأ من هذا الميثاق الغليظ الزواج من المفروض أن تعم فيه السكينة. ويؤكد سبحانه وتعالى ذلك في آية أخرى فيقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. لباس أي سكن كما تفسره الآية من سورة النبأ. وجعلنا الليل لباسا أي سكنا تجدون فيه سكينتكم. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, afin que vous trouviez auprès d'elle ou d'eux votre quiétude, votre sérénité. Le résultat de ce pacte solide qu'est le mariage est un foyer où devrait régner la sérénité. Allah subhanahu wa ta'ala nous le confirme dans un autre verset. Elles sont pour vous une source d'apaisement, de sérénité, comme vous l'êtes pour elles. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. ما هي المودة؟ اللغة العربية إخواني أخواتي دقيقة. هناك فرق بين المودة والحب. المودة هي السلوك الخارجي الذي يترتب عن الحب، مثل الابتسامة، الكلام الطيب أو الهدية. أما الحب فهو الشعور الداخلي الذي في القلب. والمهر والصداق أو الصداق هو أول هدية يهديها الزوج لزوجه، كما قال صلى الله عليه وسلم تهادوا تحابوا. Et d'avoir suscité entre elle et vous مودة, qu'on traduit par amour, et رحمة, miséricorde. En réalité, المودة n'est pas l'amour en soi, mais l'épreuve d'amour. L'épreuve d'amour que peuvent être par exemple un sourire, un mot doux attendrissant ou un cadeau. D'ailleurs, la dot est la première preuve d'amour de l'époux envers son épouse. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous le rappelle. Faites-vous des cadeaux, alors vous vous aimerez. ولكن عباد الله لماذا الرحمة مع المودة؟ لأن البيت هو أول خلية أو أول خلية تضامن في المجتمع. ولا تضامن بدون رحمة. فأحد الطرفين قد يضعف، يمرض أو يفقد عمله، كذلك الحب قد يفتر لذلك أو يضعف لذلك، فالرحمة ضرورية للحفاظ على التلاحم بين الزوجين. Pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala évoque ici dans ce verset la miséricorde en plus de l'amour comme ciment dans le couple, car le foyer est la première cellule de solidarité dans la société. Et on a besoin de miséricorde pour manifester cette solidarité. Une des deux parties pourrait faiblir, tomber malade, perdre son travail, ou tout simplement l'amour pourrait faiblir avec le temps aussi dans le couple. Et la miséricorde alors serait nécessaire pour compenser et cimenter ce couple. En plus, auparavant, pour élever nos enfants, il y avait l'aide des grands-parents, de la famille. Aujourd'hui, le couple est seul. La solidarité est donc plus que nécessaire. وَلَقَدْ عَلَّمَنَا الرَّسُولُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَّدَامُنَا فِي الْقِيَامِ بِمَهَامِ الْبَيْتِ وَلَمْ يَكُنْ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَكْبِرُ عَنِ الْقِيَامِ بِبَعْضِ أُمُورِ الْمَنْزِلِ
أو القيام بشؤونه الخاصة بنفسه، بل كان في خدمة أهله كما أخبرتنا عائشة رضي الله عنها، كان يحلب شاته، يخيط ثوبه، يخسف نعله ويخدم نفسه. D'ailleurs, le messager sallallahu alayhi wa sallam, notre modèle, était chez lui au service de sa famille, comme le rapporte Aïcha radiallahu anha. Il aidait sa famille dans les tâches ménagères, il recommandait lui-même ses vêtements, réparait lui-même ses sandales et faisait également la traite des brebis. وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً. Allah subhanahu wa ta'ala, هو من يجعل المودة والرحمة بين الزوجين. فإذا كثرت المشاكل بين الزوجين غابت المودة والرحمة بينهما فلينظر أحدهما أو كلاهما إلى علاقته مع ربه إلى ذنوبه. يقول الحسن البصري رحمه الله: والله إني لأعلم ذنبي في خلق زوجتي أو زوجي. لم يتهم زوجه بل اتهم نفسه أولا. هذا أزكى للنفس. Ce qu'on déduit aussi de ce verset, c'est que c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui met l'amour et la miséricorde entre les époux. Alors, si dans un foyer, la discussion n'est plus possible, il n'y a plus de sérénité, plus d'amour, plus de miséricorde, un des époux ou les deux doivent se poser cette question sur leur foi, leur relation avec Allah, leur péché. L'imam al-Basri, lorsqu'il rentrait chez lui et que sa femme l'accueillait avec des critiques acerbes, il ne faisait pas le reproche à sa femme, mais plutôt à lui-même, en se disant « Quel péché ai-je commis aujourd'hui pour qu'Allah me punisse ainsi par ma femme ?» Subhanallah. Qallat dhunubuhum fa'arafuha. Leurs péchés étaient si rares ou moins nombreuses qu'ils les reconnaissaient tout de suite. Ils reconnaissaient la punition d'Allah quand ils commettaient leurs péchés. Et c'est une attitude positive. Bien sûr, tous les cas sont différents. C'est une attitude positive. Avant de faire des reproches à l'autre, analysons nos propres erreurs. Il ne s'agit pas ici de nous culpabiliser, mais d'essayer de sortir du cercle vicieux des crises dans le couple. إذا ركزنا على أخطائنا كان هذا أقوم وأزكى لأنفسنا ولعلاقتنا مع الله. Quand le couple bat de l'aile, il est toujours plus facile d'accuser les autres. La sorcellerie, sihr. Mais c'est une impasse de faire ainsi. On ne fait qu'occulter les vraies causes du problème. Il est beaucoup plus productif de se concentrer sur nos propres défaillances et erreurs. Hommes ou femmes, عباد الله. المشكل كذلك قد يبدأ من سوء الاختيار أولا، لأن البعض يغفل أن الزواج هو أولا عبادة لله. لماذا؟ لأن الزواج بالزواج تختار الحلال على الحرام وهو أغض للبصر. لذلك على المسلم والمسلمة أن يتبعان نصيحة الرسول صلى الله عليه وسلم في اختيار من سيكون لهما عونا على ابتلاءات الدنيا وإعداد وفي إعداد الآخرة. وليكن المعيار الأول في الاختيار هو الدين والخلق. اختر من يعينك أو يعينك على عبادة الله، على تزكية النفس، على تربية الأولاد في محيط تقي. اختر أو اختاري من ستقضي معه نصف حياتك أو حياتك وتخلد معه في الجنة إن شاء الله. Des fois, l'origine du problème est déjà le mauvais choix initial. Car certains oublient que le mariage est une adoration d'Allah. Pourquoi une adoration? Parce qu'en se mariant, on choisit le licite, on s'écarte de l'illicite, théoriquement. Il est donc primordial de choisir avec qui on partagera la moitié de sa vie, avec qui on pourrait même vivre éternellement, Inch'Allah, au paradis. Le messager, sallallahu alayhi wa sallam, nous conseille de prendre comme critère principal de choix le bon comportement et la bonne moralité, moralité religieuse. Alors, ma sœur, mon frère, choisis celui ou celle qui te permettra de mieux adorer Allah.
en premier lieu. De mieux te purifier et qui t'aidera à élever tes enfants dans un environnement pieux. Les autres critères de choix sont secondaires, sont importants, mais ils devraient être secondaires. Pourquoi ? Car ils sont éphémères, sont temporaires. Et des fois même, ils nous aveuglent, nous empêchent d'être lucides. La beauté extérieure, le salaire, le statut, le poste, etc. نسأل الله الكريم أن يجعل المودة والرحمة والسكينة في بيوتنا أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه إنه هو التواب الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين يقول سبحانه وتعالى وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. الله سبحانه وتعالى nous dit et comportez-vous convenablement envers vos épouses. Et si vous avez quelque aversion pour elles, aversion c'est la détestation, sachez que l'on peut avoir parfois, on peut détester une chose qui peut cependant être pour vous la source d'un grand bonheur. Ibad Allah, al-hayatu al-zawjiyya, likay tadouma fiha al-sakina, tatatallabu ba'da al-tanazulat al-shakhsiyya. Lianna al-mutazawij la ya'ishu wahda. Alayhi an yataqabbala uyoub al-akhar, fala ahada minna yakhlu min aib, ou min al-uyoub. Lidhalik, لا يهين الآخر ولا يعيره بعيوبه ناسيا محاسنه فقد أوصانا صلى الله عليه وسلم قائلا لا يفرك مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا ورضي منها آخر ولم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يعيب الطعام أبدا إن أحبه أكل منه وإن كرهه تركه. Le mariage, c'est aussi faire des concessions pour que la sérénité règne et perdure. Pourquoi ? On ne vit pas tout seul au mariage. Comme chaque personne, on vit avec quelqu'un d'autre. Et comme chaque personne a des qualités, mais aussi des défauts. Et des fois, on idéalise la personne avant de vivre avec elle. Il faut donc s'abstenir de rabaisser l'autre ou de l'insultant. De l'insulter en insistant sur ses défauts et en oubliant ses qualités. Le messager sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné, nous l'a rappelé. Le croyant ne doit pas mépriser son épouse si un trait de son caractère lui déplaît, qui se rappelle ses autres qualités. Évidemment, le réciproque est vrai, est aussi vrai. Une épouse ne doit pas mépriser son époux. Un exemple prophétique parmi d'autres du comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Quand le messager aimait un plat, il en mangeait. Mais s'il ne l'aimait pas, il s'abstenait d'en manger sans critiquer. Et pardon Allah, كذلك. الزواج الناجح مبني على التواصل بين الطرفين. التواصل, ما هو التواصل؟ هو حسن الإصغاء للآخر حسن الاستماع والإصغاء بعض المشاكل الناشئة تتبدد إذا أصغيت إلى الآخر 5 دقائق واعترفت بعدم ارتياحه من شيء ما واقترحت عليه المساعدة وهكذا مشكلة صغيرة تتبدد ولا تتفاقم حتى تصبح مشكلة عويصة كبيرة. Réussir son mariage, c'est aussi être à l'écoute de l'autre, vraiment à l'écoute, et pas faire semblant. Des fois, écouter l'autre pendant 5 minutes, reconnaître son mal-être, éventuellement proposer une aide, permet de soulager la personne, de dissiper ce petit problème naissant et d'éviter que ça s'accumule, que ça devienne un gros problème. Wa min al-hikma ibadallah kadhalik أن يحاول الزوجان حل مشاكلهما قدر المستطاع فيما بينهما ولا يدخل أحدا في مشاكلهما إلا إذا تعذر غير ذلك. لماذا؟
لأنه إذا شاع خبر المشكل داخل الزوج فإن الكبرياء والأنفة قد يمنعان أحدهما من الاستسماح والتنازل. Réussir son mariage, c'est aussi essayer de régler ces problèmes de couple entre soi-même, entre les deux parties, et ne faire appel à des intermédiaires qu'en dernier recours vraiment, quand la communication n'est plus possible. Pourquoi ? Parce que dès qu'on fait appel à d'autres et qu'on étale les problèmes du couple, la fierté, l'orgueil rentrent en jeu. Et là où on était prêt à céder, à demander pardon, à s'excuser pour avoir la paix, au lieu de cela, on se braque et on reste sur sa position. Alors essayez, mes frères et sœurs, aussi de crever les petits abcès le plus rapidement possible. N'essayez pas de dormir avec le cœur serré en ayant un problème sur le cœur. De toute façon, on n'arrivera pas à dormir avec cela dans le cœur. Demandez-vous pardon l'un à l'autre et n'oubliez pas les bons moments que vous avez ou que nous passons ensemble. Wa la tansaw al-fadl baynakum. Qu'Allah nous accorde, inshallah, le paradis avec nos épouses. Allahumma arzuqna al-jannata ma'a azwajina ya rab. Allahumma aj'al al-mawaddata war-rahmata fi ma baynana ya rab. Allahumma waffiqna li salih al-qawli wal-amal. Allahumma aslihna wa aslih bina. اللهم اهدنا واهد بنا اللهم ألف بين قلوبنا وآخي بيننا واجمع شملنا اللهم آت أنفسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم والحمد لله رب العالمين.